Première remarque. Dans les deux années avant l'élection présidentielle en France, tous les sondages montraient que Mme Le Pen, donc le Front National, serait au second tour, et tous les sondages montraient qu'elle serait battue, quel que soit le candidat en face. Donc la bataille présidentielle française se jouait au premier tour, savoir qui était la personne qui serait là. Et heureusement pour la France, ça a été Emmanuel Macron, et nous n'avons pas eu le choix entre Mme Le Pen et M. Mélenchon. Et après, la personnalité d'Emmanuel Macron a créé un choc positif, mais ce n'est pas le sujet principal d'aujourd'hui. Je voudrais dire que l'élection de Trump n'a toujours pas été comprise par les démocrates aux États-Unis, par les forces de gauche et les forces progressistes en général, et beaucoup d'entre elles avaient adopté la ligne selon laquelle on ne pouvait plus convaincre les classes moyennes, qui sont réticentes par rapport à la mondialisation et par rapport à l'intégration européenne, et que donc il fallait jouer la carte des minorités. Et les démocrates notamment ont joué la carte de l'électorat féminin, plus toutes les minorités ethniques, sexuelles, etc. Cette stratégie a échoué, ça a créé une perturbation intellectuelle très profonde, dont l'ensemble de ces courants ne sont pas sortis. Deuxième remarque, le monde par rapport à Trump est partagé entre quelques responsables qui sont très contents de M. Trump, à commencer par M. Netanyahou, mais ce n'est pas le seul. Par exemple, les Pasdaran en Iran espèrent que M. Trump va casser l'accord, puisque la stratégie d'Obama allait les asphyxier. Donc il y a quelques entités peu nombreuses qui s'en réjouissent. Après, il y a ceux qui en profitent indirectement. Et ce n'est pas qu'un paradoxe. La Chine en profite. C'est évident. Elle va profiter des erreurs de Trump et va essayer de les capitaliser. Ensuite, il y a ceux qui redoutent directement la politique de Trump. Mexique, Canada, le président Rouhani, évidemment les Palestiniens et d'autres. Parmi ceux qui s'en réjouissent, je dois citer évidemment l'Arabie aussi. Après, il y a ceux qui sont déstabilisés et qui sont inquiets, c'est tous les pays protégés, plus ou moins par les États-Unis depuis l'après-guerre. C'est le cas du Japon, c'est le cas de la Corée du Sud, c'est le cas de l'Australie, c'est le cas des Européens par rapport à ça, avec une angoisse concernant l'article 5 de l'OTAN dans le cas de l'Europe. Mais ça n'a pas provoqué de réaction organisée pour le moment. Mais donc il y a une sorte d'inquiétude directe. Et l'ensemble des autres, y compris la Russie, en fait, ils attendent, ils ne savent pas très bien, ils essaient de s'accommoder du phénomène avec des tactiques qui peuvent tout à fait varier. Au sein de l'Europe, il y a une différence d'attitude, mais qui est tactique, qui n'est pas stratégique, entre Emmanuel Macron, qui a essayé de nouer une sorte de relation personnelle paradoxale avec le président Trump pour amortir le choc, ou la tactique de Mme Merkel, qui est différente. Ça m'amène au scénario. Il y a le scénario de l'implosion. Le système est tellement ubuesque, enfin absurde, que finalement tout éclate. On ne peut pas miser dessus. Il y a le scénario de l'impeachment. Il est peu probable, parce qu'il faudrait que les électeurs, les élus républicains lâchent le président. Ils ne le lâcheront pas tant que l'électorat le soutiendra. Et il a un électorat qui est enchanté par sa politique de provocation et qui, pour le moment, n'attend pas de résultats particuliers. Donc l'impeachment, je ne peux pas dire que c'est impossible, mais ça me paraît improbable. Un autre scénario qui me paraît très improbable, c'est que le président se professionnalise. Tout ce qu'on sait sur lui, ça paraît invraisemblable, c'est d'ailleurs pas son objectif. Il a d'ailleurs été honnête sur un point dans sa campagne, il a dit « je serai imprévisible ». Ça, c'est une promesse qui est tenue. Le scénario suivant, c'est la poursuite du système tel qu'il est, un peu confus, mais qui continue, parce qu'il n'y a pas de sérieux de crise aiguë. Et je n'écarte même pas le scénario de la réélection, parce que si du côté démocrate, il n'arrive pas à surmonter la question profonde minorité-majorité, il se peut tout à fait qu'il n'ait pas un candidat capable de contrer. Donc c'est quand même des scénarios dont aucun n'est tout à fait encourageant pour l'ensemble des autres qui s'étaient habitués
avoir les États-Unis comme point de repère, même quand il y avait des désaccords ou des controverses. C'est quand même déstabilisant. Que faire ? Que faire ? Je ne parle pas des pays adversaires, je parle des pays amis, alliés, partenaires, etc. etc. Que faire ? À mon avis, c'est Mme Merkel qui a dit la chose la plus forte. Richard Burt a été ambassadeur en Allemagne, il connaît très bien tout ça. Mme Merkel, après avoir rencontré le président Trump en juillet, elle a dit « on ne peut plus vraiment compter sur eux, compter sur lui, et donc nous devons nous organiser mieux par nous-mêmes ». Nous-mêmes, là, ça veut dire les Européens, mais les Japonais peuvent avoir le même type de raisonnement. Il y a un test, en ce moment, dans pas longtemps, c'est l'accord sur l'Iran. Le monde entier a très bien réagi à propos de l'accord sur le climat, en disant « Monsieur Trump peut faire toutes les sottises qu'il veut, nous, on continue. » Et nous, c'est le monde entier, y compris d'abord les entreprises. L'accord Iran, c'est plus compliqué. Est-ce que les autres co-signataires, Grande-Bretagne, Allemagne, France, Chine, Russie, peuvent appliquer l'accord tant que les Iraniens le respectent, bien sûr, et l'appliquer financièrement, en se protégeant des représailles américaines? C'est un point clé pour toute la suite de la présidence Trump et des rapports avec le reste du monde. Voilà. Je termine sur un point. Je suis le plus synthétique possible, exprès. Dernier point, je ne crois pas que Trump soit simplement une parenthèse. Et je ne crois pas qu'après, on va retrouver un président rationnel, normal, et on va rétablir les relations entre les États-Unis et le reste du monde comme avant. Je ne crois pas. Il y a quelque chose qui avait commencé sous Obama, qui était une relative distanciation des États-Unis par rapport à leur rôle traditionnel et au reste du monde. C'est très compliqué de comparer parce qu'Obama était intelligent, séduisant, sophistiqué, etc., etc. Et Trump est brutal et vulgaire. Mais il y a des éléments de continuité vers une sorte de leadership relatif par rapport à ça. Donc tous ceux qui ont, depuis plus d'un demi-siècle, ont travaillé étroitement avec les États-Unis, à mon avis, doivent penser la suite, et pas en termes nostalgiques, pas en termes de retour à une situation normale à la prochaine élection ou dans deux élections.